verset 5. Nous allons lire au moins trois passages, quatre passages, et je vais aller rapidement pour que nous puissions finir. Genèse, nous sommes dans le premier livre de la Bible, Genèse, le chapitre 25, à partir du verset 22. Du verset 22 à 25. Qui a trouvé dit oh yes avec moi? Non, pas bien. Qui a trouvé dit oh yes avec moi? Il est écrit. Il est écrit. Les enfants se heurtaient dans son sein. Les enfants fait quoi? Se heurtaient dans son sein. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit. Elle dit. S'il m'avait ainsi, pourquoi suis-je enceinte? S'il m'avait ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Elle alla consulter l'Éternel. Et dit à Esaü, il dit à Esaü, voici, voici. Je l'ai établi comme
j'ai établi Cornel. Et je lui ai donné tous ses frères. Je lui ai donné tous ses frères. Tous serviteurs. Tous serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi? Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Oui. Esaïe dit à son père. Esaïe dit à son père. N'as-tu que cette seule bénédiction? N'as-tu que cette seule bénédiction? Bénis-moi aussi. Le pied du premier, il a saisi le pied du premier. Maintenant,
à son pied. Je vais vous dire quelque chose. J'adore. Avant même de t'avoir appelé les yeux de son père, dans le temps de sa mère, il avait déjà récupéré ce qui devait lui revenir de plein droit. Écoutez-moi bien. Je suis dérangé ce matin. Je donne mon appel Jacob. Il est avec le talent de son frère. Il attend le pied de son frère. Mais dans la passion de messieurs, j'ai compris quelque chose. On ne possède pas avec la tête. On ne possède pas avec la main. On possède avec le pied. Jacob, le temps de sa mère, il a déjà possédé la bénédiction qui devait lui revenir de plein droit. Je te dis à quelqu'un ce matin. Ne lui plus pour ce que tu as déjà eu. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Peut-être que tu veux parler à l'horizon. Je vais annoncer quelque chose à quelqu'un. Par moment, lorsque nous n'avons rien, les gens pensent que nous avons de l'argent. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas avoir de l'argent, mais c'est une prophétie que tes frères sont en train d'annoncer sur toi. Mais ce qui est bizarre, ils n'ont pas parlé dans le vide. Ils ont parlé parce que c'est ce que Dieu va faire avec toi. Non, je n'ai pas entendu quelqu'un parler. Je n'ai pas entendu quelqu'un parler. Dans le fond de sa mère, il a attrapé le talon de son frère. Il a saisi son talon. Tu peux sortir avec ta tête. Mais je tiens ton talon. Je tiens ton talon. La prophétie a été dite. Deux nations se battront. Ils vont se séparer. Et ce qui est bizarre, on se sépare lorsque l'autre se sent béni. Si je ne suis pas encore béni, je ne peux pas me séparer de toi. La seule chose qui pourra me séparer de toi, c'est lorsque je constate que je suis béni et annoncé. Je le dis à quelqu'un. J'annonce une prophétie à personne qui m'entend. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a des événements qui vont se produire dans ta vie. Il y a des séparations qui vont arriver. C'est pas parce que tu as voulu ces choses. C'est parce que le lieu, celui avec qui tu marches, peut étouffer ton miracle. Quand tu vas te séparer de lui, quelqu'un ne va pas dire la main de Dieu. Qui dit à la façon de la parole? C'est même plutôt la parole. La Bible dit, comment tu fais? Isaac était devenu vieux. Il ne voyait plus. Mais il avait besoin de bénir ses enfants. Il veut manger une nourriture. Il appelle ses enfants. Normalement, dans la famille, quand tu vas bénir quelqu'un, on ne commence pas par l'intérieur. On commence par le supérieur. Il appelle le supérieur. Il appelle le plus grand. Il dit au plus grand. Je suis vieux. Bientôt je vais mourir. Apporte-moi à manger. Mais ce qui est bizarre, le plus grand était avec son père. Et le maman, elle était à côté. Elle n'était pas dans la salle. Elle n'était pas dans la maison. Elle a attendu que oh, le père devait bénir le plus grand. Mais ce qui est bizarre, la maman, elle allait dire au plus petit. J'ai entendu quelque chose, mais ce que je veux faire, tout qui ne s'est pas préparé, mais ce qui est bizarre, chose compliquée, ce n'est Esaü, il avait l'habitude de préparer, mais Jacob n'a jamais préparé. Mais sa mère lui dit, va chercher de la nourriture, je veux préparer le repas de ton père. Qui me donne la main de Dieu? Il arrive avec la nourriture. Il savait prendre les habits de son grand frère. Elle peut prendre cela à Jacob. Jacob prend ses choses. Elle lui met des tapis. Avec des poids là-dessus. Jacob arrive devant son père. Il dit, père, je suis Esaü. Je suis venu pour que tu me bénisses. Il lui demande, donne-moi à manger. D'abord, quand il entend la voix, il dit, c'est la voix de Jacob. Mais ce sont les mains de Saül. Mais l'homme est passé de messieurs. Ce ne bénit pas la voix, mais Dieu bénit la main. Mais la main de Dieu bénit.
C'est Esaü qu'on va bénir. Ce n'est pas Jacob qu'on va bénir. Mais Jacob arrive. Son père constate que c'est Jacob. Mais c'est trop tard. Ce que je devais avoir, je l'ai déjà eu. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Ils ont déjà dévorcé certaines personnes. Mais ne faites pas cette bêtise. Comment quand vous êtes prompt avec Dieu, quand vous êtes rapide avec Dieu, quand vous vous pressez pour Dieu, normalement celui qui devait venir avant tout, il va la bénédiction. Celui qui devait venir à l'autre, Dieu est obligé de te donner cela. J'annonce à quelqu'un. Celui qui tient la main de Pierre, je prophétise
C'est pas bien. Ils ont déjà payé. Mais avec le temps du destin. Ils ont dit pour suivre. Mais c'est la même chose. Son père a dit tu seras élevé. Le temps est du reste. Sur les nations. Over les choses. Tu seras élevé. Du reste. Au-dessus de tes frères. Avant de parler. Mais ces choses qui sont arrivées pour moi. Dans le temps. C'est parce que dans le temps de sa mère. Il avait déjà attrapé le talent de son père. Il avait déjà récupéré ce qui devait lui donner le prix de moi. Je veux simplement te dire, tu n'es pas des siens blancs, mais tu es né avec la grâce de Dieu. Je veux simplement te dire, il y a des choses qui vont arriver. Ce que tu veux fournir des efforts, mais c'est par la grâce de Dieu que tu vas mériter des bénédictions, des grâces. Je veux simplement te dire, il y a des choses qui ne jeûnent pas, il y a des choses qui ne prient pas, mais qui rentrent dans la bénédiction. Peut-être pour toi, c'est le jeûne et la prière. Bénédiction. Il n'y a plus ce manière d'être béni. Ce n'est pas forcément par la prière. Mais lorsque tu donnes à Dieu, lorsque le cœur de Dieu est reçu, alors il fait sortir une parole sur toi. J'annonce à quelqu'un. La Bible déclare la parole de Dieu ne détournera pas à lui. Sans avoir été accompli. J'arrive à quelque chose de délicat. Il commence à pleurer. Il vient pour il dit à son père, c'est le mal. Bénis-moi. Merci. Je suis venu pour que tu me bénisses. À chaque fois, son père lui dit, il va lancer. Son père lui dit, il va lancer. Mais c'est trop tard. Il soulève. J'ai déjà béni, j'attends. Après, Dieu m'a parlé. J'attends à tout prix. Il a tout dit dans le prix. Mais je l'ai déjà béni. Après, c'est mon nom. Son frère commence à pleurer. Le grand vient de quoi? Il dit, il m'a surpassé deux fois. Il m'a fait une première fois. Le fait là, il m'a demandé quelque chose. Il tout son prix pour et je lui ai donné. Il a pris mon droit d'église. Et tout ma mère voit. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Une deuxième fois, le il se précipite. Il croit qu'il vient récupérer ma bénédiction. Et ça lui a commencé à pleurer. Il pleure, il coule des larmes. Il dit à son père, il ne laisse pas avoir une seule bénédiction. Je veux que tu dises quelque chose. Je veux que tu parles sur ma tête. Son père le regarde. Il dit, je n'ai plus quelque chose à te dire. Mais la seule chose que je vais te dire, tu seras privé. Tu seras privé de la rosée du ciel. Et la terre te privera de la graisse. Le ciel te sera fermé. La terre sera infectée. Écoutez-moi. Est-ce que quelqu'un comme ça peut réussir? Ça va de la réponse aussi. Est-ce que quelqu'un comme ça peut réussir? Ça va de la réponse aussi. Non, je n'entends pas. Est-ce que quelqu'un comme ça peut réussir? Le ciel est fermé. La terre n'est pas plus produite pour toi. Son père lui dit ces choses. Mais ce qui est bizarre, son père ne va pas s'arrêter là. Il va lui dire, le ciel ne sera fermé. La terre ne sera infertile. Mais cependant, tu vivras de ton épée. Cependant, tu vivras de ton épée. Écoutez-moi bien. Le ciel est fermé. La terre est fertile. Je veux toi avec l'épée. Mais c'est bien bizarre. Son père l'a privé du ciel. Son père l'a privé de la terre. Mais son père n'a pas privé de l'épée. L'épée est la parole de Dieu. Je suis privé de la graisse de la terre.
partout. J'adore. Mais écoutez-moi bien. Tout le livre de passage plus tard. Esaü est devenu plus fort. Mais pour terminer, son père va lui dire, c'est toi qui briseras le jour sur le cou de ton frère. Mais celui qui était privé du ciel, celui qui était privé de la terre, c'est celui-là qui brisera le jour. Je n'attends pas quelqu'un. J'ai dit Dieu ne ment pas.
sorcier. Parce que la parole est accompagnée de feu et de puissance. Tout ce que Dieu me demande de faire, c'est de me lever et de parler. Et lui, il va être critère. Nous n'avons ni
relative notre position. Il va aider ça. Je vais te répondre et dire, même s'il voulait t'attraper ici, il ne pourra pas t'attraper là. Tu vas aider ça. Et là, ça veut dire ça. Et là, je n'attends pas quelqu'un de dire ça et là. Dis ça et là.